Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour l'or. Séance du vendredi 18 décembre. Bon, ben malheureusement, les doutes que j'avais mis par rapport au rebond de l'or se sont avérés, eh bien, légitimes, puisque c'était une embuscade et sont passés à l'attaque les baissiers. Et qui ont réussi à provoquer un reflux massif de l'or à mesure que les stop-loss des haussiers ont cassé. Effectivement, tous les haussiers avaient positionné leur stop-loss en cas de franchissement de la M7 ou en cas du franchissement du plus bas d'il y a 5-6 jours. Et nécessairement, à mesure que les stops sautaient, eh bien cela a accéléré la baisse. Et cela a tellement accéléré la baisse que même le niveau de retracement de 61,8% de Fibonacci maintenant vient de lâcher en clôture. Alors évidemment, il n'y a rien de réjouissant là-dedans. La M7 est clairement décroissante. La M20 également. D'ailleurs, le croisement M7-M20 que j'avais signalé déjà la semaine dernière, malheureusement, fait peser une atmosphère assez lourde sur le gold. Si on ajoute à cela le fait que le stochastique reste en zone de survente et s'apprête à croiser son signal, que le momentum s'enfonce en territoire négatif et que les MACD imitent ses congénères, eh bien c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation qui n'est pas très ragoûtante pour les détenteurs de gold, encore qu'en euros l'addition soit moins lourde. J'ai dessiné au cas où un nouveau biseau mauve qui est tout à fait hypothétique pour l'instant, mais qui pourrait accompagner l'évolution des cours et surtout pourrait donner un signal d'achat en cas de cassure à la hausse. Alors, comment trader l'indice, comment trader l'or demain? Alors, j'aurais tendance à dire que le problème reste entier ce soir, puisque nous clôturons entre deux niveaux. Alors, normalement, cela veut dire que les baissiers ont remporté une bataille encore ce soir, puisque nous n'arrivons pas à préserver le niveau des 61,8% de Fibonacci en clôture. Et il y a fort à parier que pour les plus agressifs des baissiers, eh bien, le niveau suivant, hein, des 75% sont en ligne de mire. Personnellement, j'aurais tendance à être un petit peu méfiant par rapport à ça, car j'envisage, contre toute attente, que la baisse prenne fin ce soir. Mais ce n'est pas un trade, hein, c'est plutôt un sentiment. On verra. Alors, si vous voulez trader long le gold, moi je pense que le mieux à faire est d'attendre un contact avec la Bollinger inférieure qui serait préservée en clôture, c'est-à-dire un contact mais pas une clôture en dessous de la Bollinger inférieure. On peut aussi envisager d'acheter tout de suite, mais en tout état de cause, je pense qu'il faudrait mettre un stop loss en cas de cassure du biseau par le bas en clôture. L'objectif étant de rallier dans un premier temps le haut du biseau et puis pourquoi pas repartir vers les sommets précédents. Si vous voulez plutôt shorter le gold, je pense qu'il est intéressant et judicieux d'attendre un retour sur la M7 pour shorter, mettre un stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7 ou en cas de sortie par le haut du biseau mauve. Objectif, le bas du biseau mauve ou même le prochain support à 1065. Voilà. Alors, personnellement, je crois que je vais rester éloigné du marché de l'or demain parce que la configuration est trop aléatoire pour l'instant et c'est pas la peine de se forcer à trader un marché délicat alors qu'il y a toujours quelque part un marché plus facile à trader. Voilà, bonne soirée, bon trade et que cela vous empêche pas de dormir parce que sur le moyen et long terme, la tendance reste haussière sur le gold. Au revoir.